Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo test sur Mario Golf Super Rush, dernier titre de la licence Mario, spécial golf. Franchement, pour donner un avis déjà général, c'est pas trop mal, mais moi je m'en suis lassé vraiment assez vite dû au manque de niveau de jeu et de mode de jeu en fait. Donc voilà, en soi c'est un bon jeu, le gameplay est solide et tout ça, mais on fait quand même assez vite le tour et c'est un peu rébarbatif, on va dire, c'est pas incroyable non plus. Donc déjà pour commencer, niveau nombre de personnages, tout ça, on a tous les personnages connus, donc ça c'est pas trop mal. Au niveau des modes de jeu, donc c'est là que ça pêche, on a un mode solo. Donc, qui est l'aventure golfique, qui est en fait la création d'un personnage, et on fait une carrière de golf, ça nous permet aussi d'apprendre les bases du jeu. On nous apprend aussi les différents terrains de jeu, et c'est là aussi le problème pour moi, c'est que il y a plusieurs terrains de jeu, plusieurs règles de jeu, donc il y a le golf normal, il y a le tout-terrain, où on doit vraiment aller dans plein de sortes de terrains différents. Et il y a du speed golf aussi, il y a plusieurs modes comme ça. Donc le speed golf, c'est en fait, on envoie la balle et on court pour aller le plus vite possible au deuxième point. Donc le speed golf, ça va encore, le golf normal, c'est vraiment bien, mais moi, le tout terrain, ça m'a vraiment saoulé. J'ai trouvé ça vraiment chiant. Il faut envoyer la balle dans des tornades pour aller d'une plateforme à une autre. Et des fois, ça répond pas si bien que ça, et voilà, assez déçu. À ce niveau-là, par contre, le mode est quand même assez long, comptez quand même 6-7 heures, je dirais, à la louche. Ensuite, donc on a aussi un mode solo qui permet un petit peu de jouer en local, faire plusieurs trous, et puis voilà. Ça, c'est aussi classique. On a un mode défi avec quelques petits défis, on passera vite dessus parce que il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Et ensuite, un mode online, à savoir que le mode online n'était pas dispo. À la sortie du jeu, ils l'ont rajouté via une mise à jour. Donc, au niveau de ce mode online, on a donc les différentes règles qu'on peut choisir et se lancer contre trois joueurs en ligne. Donc, c'est pas trop mal, mais c'est pareil, on en fait assez vite le tour. Il y a un système de classement de D à A et voilà, on essaie d'augmenter dans le classement général. Ça tient en haleine aussi, pas très très longtemps, honnêtement, on se lasse assez vite. Au niveau jouabilité, je vous parle quand même qu'il y a une commande par mouvement, si vous voulez, qui répond bien, mais bon, voilà, c'est vraiment pas le mieux, enfin moi j'ai pas vraiment apprécié ça. Rien ne vaut à la gâchette et au joystick, donc voilà. Donc en gros, pour résumer, c'est un jeu pas mauvais, mais voilà, on fait assez vite le tour. Ne l'achetez pas plein pot, honnêtement. Les jeux Nintendo ont du mal à baisser, mais je pense que celui-ci, on va le retrouver dans une trentaine d'euros, je pense. Donc voilà, je vous conseille plus pour 30 euros pour essayer, mais ne mettez pas le prix fort, très honnêtement. Donc voilà, ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!